regardez pas devant toi et moi non plus. Allez, debout. Salut, coquine. Vous avez cru qu'on allait déménager, non? Non, je vais juste faire mon linge. Et c'est parti que cette journée très très longue, vous allez voir, commence. Bon déjà, je me suis arrêtée, même pas 5 mètres plus loin parce que la porte était ouverte. Et en fait, c'était pas une porte, c'était le coffre. Donc forcément, avec tous les sacs que j'y ai mis, je suis redescendue, j'ai fermé et on est parti pour de bon. Je suis désolée, je suis accompagnée aujourd'hui, donc forcément, il y aura du bruit. Allez, première chose, on va vite déposer les vêtements dans les machines, payer et aller déposer Anna chez l'orthophoniste. Faut savoir que le plus... galère, c'est que quand tu payes, ça met beaucoup de temps à activer les machines. Donc bref, j'avais pas beaucoup de temps à perdre, donc j'ai essayé de faire mon maximum. J'ai tout vidé, trié comme j'ai pu. Et ensuite, on est parti direction l'orthophoniste. Une fois que Anna est déposée chez l'orthophoniste, je suis partie en trompe pour aller mettre du gasoil parce que j'en avais plus. Et vous allez entendre la voiture, on sent vraiment le vide. Et ensuite, j'avais vraiment pas beaucoup de temps, il fallait que j'aille mettre le linge dans les sèches-linges pour les faire sécher. Ensuite, je suis retournée chercher les enfants, du coup Anna et Aydin. Tu viens de manger ton goûter? Quoi, Anna? Il a mangé le goûter, toi aussi, hein? Ça va? Allez, on y va, les enfants? On a du linge à plier. Super. Ah, mon Dieu, vous savez ce que j'ai envie, là? J'ai envie de pas cuisiner ce soir. Et qu'on achète de dehors. Mais après une journée de jeûne, franchement, tout gâché par une bouffe grasse dehors et tout, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. On verra bien. Bon, allez, je vais retourner à la laverie. Et nous revoilà à la lingerie, mais en famille cette fois-ci. Je profite de ce moment de calme juste après le goûter de Aydin et de Anna pour plier. Je me dis, si je le plie pas maintenant, je vais jamais le plier. Ça va rentrer encore plus froissé à la maison. Enfin bref, galère. Donc, plier. Je l'avoue, j'ai exploité ma fille. Elle m'a aidé un petit peu, comme elle a pu, pêcheur. Et ben, je m'en suis sortie. Franchement, c'était très très long. Je vous laisse regarder les images. Vraiment, ça, j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça. Mais au moins, aujourd'hui, je suis débarrassée du linge. Et même des gens, ils ont eu le temps de laver leur linge, de venir le faire sécher. Et j'étais encore là. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. Oh baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even. C'est parti, une fois que c'est fini, on reprend les clics, les clacs, les sièges auto, les enfants, on attache tout le monde et on est reparti. Et devinez qui me rejoint. Ah, ça sent la lessive de dehors là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va? Après cette longue journée, il vient m'aider. Ça va ta journée? Ça sent bon. C'était ça va toi? Ouais. Allez, on va faire les courses? Ouais. Allez, on y va? Yes!
pour la recette du jour, bon, c'est loin d'être de la gastronomie plus, hein. C'est un truc hyper rapide. Quand t'as vraiment pas le temps, tu prends du pain de mie, du pain à croque-monsieur, du jambon, et tu fais comme je fais là en fait. Tu aplatis le pain de mie, tu mets du jambon, tu roules avec du fromage à croque-monsieur, et c'est tout. Et après, on va les faire frire avec de la chapelure et de l'œuf. Voilà, c'est très facile, c'est très rapide, mais c'est bon, c'est très très bon. Moi, j'ai utilisé là du blanc de dinde fumé, c'était vraiment très très bon. Je réserve et ensuite je vais faire des petites frites pour accompagner mon sandwich. Donc pendant que j'épluchais et que je coupais mes pommes de terre. Bon ben c'est déjà l'heure du retour et je suis encore en train d'éplucher les patates. Voilà. Bref, allez, c'est pas grave, je continue. Les enfants en plus, ils étaient ingérables, vraiment tout excités. C'était très compliqué pour Mister et moi. Allez, je fais cuire la viande pour mes petits sandwichs, les frites, et je fais mes petits pains. Oui, parce que j'ai quand même tenu à les faire moi-même à la maison. C'est des petits pains pita, j'ai essayé une nouvelle recette. Ben écoutez, elle est pas mal. Le pain est bien gonflé après la cuisson, ça se sépare bien en deux à l'intérieur. Enfin, parfait. Je vous la partagerai du coup une prochaine fois, vu que je l'ai testé et approuvé. Et je finis par les rouler. Oui, entre-temps, j'ai pris ma douche et je me suis mise en pyjama. Donc, je casse un œuf, je le mélange rapidement, je l'assaisonne, sel, poivre. Et je prends de la chapelure, pareil, que j'assaisonne. Je prends mes petits roulés et je les roule dans l'œuf, puis ensuite dans la chapelure. Et je les fais frire dans un petit peu d'huile. Mister, lui, s'occupe de la garniture de nos sandwichs. Salade, tomate, un petit peu d'oignon et la viande qu'il a déjà coupée. Et comme vous voyez, là, il commence à remplir les petits sandwichs. Et voilà notre phtôl. Bref, c'est un phtôl de la catastrophe, je suis d'accord. Mais je m'en suis bien sortie quand même. Bon, et bien, je vous retrouve le lendemain pour clôturer ce petit vlog. Je suis avec ma mini-ado, là. Et mon petit garçon, là-bas. Toi, t'es trop drôle, toi. Et toi aussi, t'es trop drôle. Oh, tu m'as eu. Et ouais, je suis en train de monter le vlog. Et je vous jure, au fur et à mesure que je monte, je me dis, purée, mais comment ça existe comme ça des journées? Oh, ça m'arrive très souvent ces derniers temps, c'est ça. C'est des journées qui sont très longues, mais en même temps très courtes. C'est très bizarre. Bref. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, franchement, il ne sera pas terminé. Ça va être un vlog divisé par deux, sur deux jours. Parce que vous doutez bien que la montagne de linge que j'ai lavé hier, elle n'est pas rangée. Donc ça va être encore l'objet d'un autre vlog, le prochain sûrement. Dites-moi si vous le voulez demain, je vais essayer de vous tourner aujourd'hui. Oui, mon gars. Et ouais, dites-moi si vous le voulez, j'essaierai de vous poster demain ou vendredi, grand maximum. Bref. Envoyez-moi plein de soutien et dites-moi que je suis pas la seule. Enfin si, je pense que je suis la seule à avoir autant de linge. En même temps, c'est normal, je suis pas chez moi, j'ai pas de machine. Donc forcément, c'est pas du tout les mêmes circonstances. Mais bon, quoi qu'il en soit, si tu as du linge qui t'attend, vas-y, fais-le. Franchement, t'as vu par quoi je suis passée moi? Toi, tu peux le faire, easy. Easy. Et attention, j'avais deux enfants avec moi. Anna, fallait l'amener à droite, à gauche, enfin bref. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Alors, motivation. Anéantis-moi cette montagne de linge que tu ziotes tous les matins et que tu dis, oh, ça me saoule. Ah là là. Bon, allez, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. Mettez-moi une petite emoji caméra. Je vous la mets juste là. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, du vlog. Si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je suis curieuse de savoir qui est encore là. Bref, allez, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog.